Terra Incognita. Certaines de ces plantes ont l'air de tentacules. Est-ce que l'eau est vraiment de l'eau ici? Voilà notre transmetteur. Au fait, un petit conseil. Respirez pas cet air. Compris. Vous croyez que c'est à cause de ce nuage d'énergie qu'on a vu? Ça m'a dit que c'était de l'énergie noire, mais c'est dans l'espace. Ouais. Sacré nuage. Un nuage qui fait voler la roche. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, il faut qu'on avance. Mais c'est dingue! Bienvenue sur l'habitat 7! Avancez! Ah! Merde! Putain, ça fait mal! Attention! J'hallucine ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Votre arme fonctionne? Vous feriez mieux de vérifier. Tirez sur cette cellule de carburant. Elle est foutue de toute façon. Ça a l'air d'avoir marché. Regardez, il y a un truc qui vole dans le ciel. Oh, waouh! Ça y est, on a quitté la Voie lactée. Là-bas! On peut grimper cette falaise pour prendre de la hauteur. Venez! Je sais pas si c'est une bonne idée qu'on dépasse de tout le reste. Je crois que je vois un chemin. On utilisera nos micropropulseurs si nécessaire. C'est parti. Je crois que je préférerais tomber plutôt que d'être frappé par la foudre. Attendez une minute. On peut sûrement faire les deux. Comment mon père vous a trouvé? J'étais flic. Et puis j'ai fait partie d'une unité d'intervention d'urgence. Ah? Je vous raconterai autour d'une bière un de ces quatre. C'est bon. On y est presque. Je crois que je vois le sommet. Vous me faites un peu de place? Merci. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à nous de découvrir. On croirait entendre votre père. Il avait raison. Quelque chose a mal tourné ici. Et il faut trouver quoi? Chaque chose en son temps. Ryder? C'est Fisher. Non. Regardez.
uniquement pour se défendre. Décrété par quelqu'un qui n'a jamais vu de combat. Qu'est-ce qu'on fait? On se tient prêt si ça dégénère. C'est souvent le cas. Vous n'avez qu'un mot à dire, et je tire. Ils ne nous ont pas encore repérés. Maya, shoot it! Je suis blessé! Il nous a vu. Ok, c'est fini. Fisher, tu vas bien? Ça ira. J'ai cru que j'étais cuit. Je me doutais que ça finirait mal. Ça prenait une sale tournure. On ne devait pas laisser passer ça. Vous m'avez sauvé. Ça aurait été con de survivre au crash pour ensuite se faire descendre par des aliens. On les laissera pas faire. Hors de question. On sait toujours pas ce qu'ils voulaient. Rien de bon, vu toutes leurs armes. En fait, on n'est peut-être même pas capable de se comprendre. C'est une nouvelle galaxie. On ne peut pas s'attendre à appliquer les règles de la Voie lactée. Ni même aucune règle, visiblement. Et qu'est-ce qu'on leur a fait? La seule chose qui est sûre, c'est que leurs armes font aussi mal que les nôtres. Où sont les autres? Plus là. Kirkland et Greer sont partis chercher de l'aide. Debout. Ah! Ma jambe! Elle est cassée? Je crois bien. Vous occupez pas de moi, allez chercher les autres. Vous êtes sûr? Ouais. Trouvez-nous un moyen de filer d'ici. Profitez-en pour dégommer d'autres de ces fumiers. La vache! Regardez ces cadavres! C'est quoi ces créatures? Sans Sam, c'est pas évident, mais je peux essayer d'en tirer quelque chose. Ils ont un ADN, et leur armure semble être faite d'une sorte d'os. Mais leur génétique n'a aucun sens. Faut croire que la vie a pris un tournant différent ici. J'espère que l'autre équipe va bien. On les retrouvera. Mais on devrait peut-être partir en reconnaissance d'abord. C'est vous l'explorateur. Après vous. Ok. Vous avez l'air de savoir manier une arme, dis donc. J'ai passé un peu de temps avec une unité de maintien de la paix de l'Alliance. Vient d'une de nos navettes. Bien, le capteur atmosphérique est toujours en état. Laissez-moi deviner. Il dit que l'air n'est pas respirable. Ouais, mais aucun signe de pollution industrielle. C'est pas ça qui les a tués. Pas d'isotope rad... Vous entendez ? C'était le dernier. Ah, j'en reviens pas qu'on en soit arrivé là. Kirkland s'en est sorti? Fonction vitale à zéro. Ils l'ont abattu de sang-froid. Il était en train de se rendre. Pourquoi le tuer? Vous croyez qu'on aurait réagi autrement s'ils avaient débarqué sur Terre armés jusqu'aux dents? Peut-être pas. La paix n'a pas l'air d'être au programme avec eux. On reviendra chercher son corps quand on aura retrouvé les autres. J'espère que Greer est toujours en vie quelque part. Regardez un peu cette architecture. C'est quand même quelque chose. J'ai
jamais rien vu de tel. Ça a l'air d'avoir au moins 300 ou 400... D'accord, ça c'est vraiment bizarre. Même avec ces relevés, je vois pas du tout à quoi ça sert. Vous imaginez le cerveau qui a inventé ça? Je sais pas si c'est possible. Nous avons évolué séparément à 2 millions d'années-lumière de distance. Dit comme ça, ça fait un peu flipper. Des fusées. Ça pourrait venir des nôtres. Je vais ajouter les coordonnées. Qu'est-ce que c'est que ça? Là-bas, attention! C'est quoi ce truc? C'est bon, on l'a eu. Je me demande ce que c'était. C'est une créature organique. Aucune trace de technologie. Waouh! Donc son camouflage est biologique? Ouais. Bizarre. Épave droit devant. C'est l'autre moitié de notre navette. Et dans quel état? J'arrive pas à croire qu'on s'en soit sorti. Il faut encore qu'on arrive à quitter cette planète. Merde! Ça bouge dans le périmètre. C'est une embuscade! Fais chier! Ils ont l'avantage sur nous! Attention, ils ont une de ces créatures. Ouvrez l'œil, ils peuvent se camoufler. C'est eux ou nous, ils l'ont cherché. Ils essaient de nous encercler. Surveillez vos arrières. Voilà, terminé. Vous vous débrouillez pas mal, Ryder. J'ai cogné un ou deux pirates à l'époque. Je gardais un relais gravitationnel. Si seulement on en avait eu un pour les arches, on devrait fouiller un peu. Il y a peut-être quelque chose d'utile dans le coin. Sur cette colline. Les tempêtes ont ravagé cet endroit. Comme tout ce qui se trouve sur cette planète. Espérons qu'il n'y a personne à la maison. Ça ressemble pas franchement à une maison. Ouais, personne ne vit ici. Qu'est-ce que c'est alors? Ça ressemble pas aux autres structures qu'on a vues. La conception est différente. Il doit y avoir un moyen d'allumer la lumière. Mal. Rien. Oh. C'est un générateur. Ouais, bien sûr. Je m'en serais douté. Il servait peut-être à quelque chose. Merde.
La porte s'est ouverte. Un labo de recherche? Possible. Jusqu'à ce qu'une tornade s'invite. Bizarre. Vous entendez ça? On dirait qu'il... Attention! Qu'est-ce que c'est ça? Et voilà. Les robots tueurs en prime? Les guettes adoreraient cet endroit. Il y a un sacré niveau d'énergie derrière cette porte. Si elle est fermée, c'est peut-être pas pour rien. Ces types ont mis le nez là où il fallait pas. Forme de technologie sur cette planète. Ancienne, souterraine. Et ces aliens s'y intéressent. Comme des... Mais quel temps dégueulasse! Attention! Ils nous attendaient! Merde! J'ai un paratonnerre en état de marche! Des trucs me suivent ou quoi? On dirait bien à force! Pas question que je crève comme ça! On voit bien qu'ils s'en foutent! C'est bon. C'était le dernier. Ne restons pas là! Il pourra en arriver d'autres. Chemin qui descend à droite. Vous entendez ça? Ouais, des parasites, mais avec un rythme. Les parasites sont de plus en plus forts. On est là! Restez à couvert! C'est bon. Merci d'être venu. Je tapotais mon micro en espérant que quelqu'un le remarque. Ça va? Ça va. Où sont les autres? Ils ont tué Kirkland. Mais Fisher est en vie, près de l'épave. Il s'est cassé la jambe. Il a besoin d'aide. J'y retournerai après avoir jeté un coup d'œil ici. Il y a peut-être du matériel. Attendez-nous là-bas. Nous, on va chercher la navette de mon père. Bonne chance. J'ai hâte de faire mes adieux à ce caillou. C'est sacrément haut. Abritons-nous là-dedans! Attention, ils sont prêts à tous les coups bas. Harry, tout va bien? On tient bon? Ça, c'est fait.
La cavalerie à la rescousse. Ça fait plaisir de vous voir. Vous aussi, Harry. Tout le monde va bien? Toujours en un seul morceau. Vous êtes arrivés juste à temps. Où est mon père? Il est parti en reconnaissance pendant qu'on réparait la navette. Ryder, il y a des armes et des munitions à la navette. Faites le plein. Ils ont essayé de vous parler au... Moi? À peine un mot, puis ils se sont mis à tirer. Comment ça s'est passé avec vous? On n'a pas voulu pas... Et merde! Vaisseau ennemi en approche! À couvert, vite! Son calme. Voilà, ça va mieux. Les autres ont survécu? Fisher est blessé, mais ça va. Greer est avec lui. La navette est en miettes. Hé! Hey! Elle est blessée! À couvert! À couvert! Avant l'attaque, j'ai réparé nos transmetteurs. Vous êtes la meilleure. Reposez-vous maintenant. Sam, t'es là? Liaison avec l'ancible établie. Affirmative, Scott. Le pionnier veut vous parler. Content de te voir en vie. Quelle est la situation? Je suis avec Liam et Cora. On a des blessés. La bonne nouvelle, c'est que la navette est réparée. On peut rentrer sur l'arche. Pas maintenant. C'est trop risqué avec ces orages. Nos blessés ont besoin de soins rapidement. Une idée, peut-être? Si c'est l'orage qui pose problème, y a plus qu'à l'arrêter. Arrêter un orage? J'ai ma petite idée là-dessus. Rejoignez mes coordonnées tout de suite, on va... Bon sang, ils m'ont repéré. Chef? Chef! On peut vous laisser avec elle? Je peux la stabiliser. Pour l'instant. En route. Sam, tu as la position du pionnier? J'ajoute les coordonnées à votre carte.